Utilise cet onguent à la graisse de porc pour te débarrasser définitivement des varices. Les varices sont un fléau du 21e siècle. 57% de personnes atteintes de varices meurent de caillots sanguins et de cancer en moins de 10 ans seulement. Que faire pour que la maladie n'évolue pas? Allant de la thrombophlébite aux ulcères trophiques et même aux tumeurs cancéreuses qui les provoquent. Ce que les gens appellent aujourd'hui dilatation habituelle des veines est en fait une maladie très grave qui cause de nombreuses complications. Pour être plus clair sur le sujet, permettez-moi de vous dire que la thrombophlébite, en termes plus simples, est une situation où le sang coagule dans vos veines. Ça peut mener à n'importe quoi, du détachement du caillot à sa pénétration dans le cœur ou même dans les poumons, provoquant du colmatage de la veine, provoquant ainsi sa putréfaction à l'intérieur de la jambe de la veine, et même encore sa peut bloquer la circulation sanguine. Cela signifie une porte grande ouverte pour les gangrènes qui peuvent entraîner l'amputation des membres, la thrombophlébite. Deuxièmement, on peut aussi parler d'ulcère trophique. En troisième position, il existe un risque de tumeur cancéreuse comme on l'a vu plus haut. Ils peuvent être causés soit par les ulcères trophiques, ce qui est une progression de la thrombophlébite qui entraîne l'apparition des radicaux libres qui à leur tour provoquent des tumeurs malignes. Ces deux complications sont essentielles généralement au développement ultérieur du cancer. Les veines des jambes peuvent se briser. Les saignements peuvent être externes ou malheureusement internes. Et en même temps que la veine se brise, la peau va se briser aussi. Cela a des conséquences extrêmement graves. Donc, de nos jours, quelles sont les options thérapeutiques offertes par la médecine contemporaine? Il existe un traitement classique qui va impliquer l'utilisation des médicaments, de massages et des charges physiques limitées. Cela permet de réduire les risques de complications et de prolonger la vie de la personne. Mais notre but aujourd'hui est simplement de guérir définitivement ceci. En conséquence, je vous propose un traitement qui peut s'avérer très efficace. Ce qui ne vous empêche pas, bien sûr, parallèlement, de continuer à suivre votre traitement médical. Ce remède s'apparente à une sorte de miracle pour celles et ceux qui l'ont utilisé. C'est à chaque fois les mots qu'ils ont utilisés pour décrire ceci. Vous savez, parfois les recettes les plus simples et les plus moins chères sont tout simplement les plus efficaces. Les composants ont des vertus thérapeutiques sans pareil, comme nous allons le voir au fil de la vidéo. C'est pourquoi je vous invite à regarder ceci jusqu'au bout pour ne rien rater. Mais avant toute chose, comme d'habitude, si jamais vous n'êtes pas encore abonné ici, pensez à le faire. Il y a toujours de très bonnes astuces, très surprenantes, mais surtout très effectives. Pensez aussi à partager ceci, liker et commenter. Et pensez à la clochette de notification pour toujours être parfum de tout ce que nous publions. Et bien sûr, comme je l'ai dit, partagez sur vos réseaux sociaux préférés, WhatsApp, Snapchat, Instagram. N'hésitez pas, partagez. J'aimerais vous dire aujourd'hui que beaucoup de crèmes pharmaceutiques sont élaborées et adaptées à partir des principes actifs de beaucoup de produits simples, issus des recettes folkloriques qui ont fait leur preuve. Bien sûr, comme je dis toujours, de faire des recettes ne vous dispense pas de visiter votre médecin. Car pour mieux soigner un mal, vaut mieux bien le diagnostiquer et seul le médecin est habilité à bien le faire. Bref, une fois le diagnostic confirmé, que vous souffrez bien de varices, de varicoses, de mauvaise circulation, de problèmes de veines et tout ce que nous avons cité plus haut, je vous conseille cette recette miracle de grand-mère très célèbre dans mon pays. Si les ingrédients ne sont pas très effrayants pour vous, alors je vous conseille de ne pas hésiter. Et d'ailleurs, je vais vous dire, j'ai un ami qui vénère littéralement cette recette. Pour lui, c'est un miracle. Ça a guéri ses jambes qui avaient des varices et dernièrement, même des plaies aux pieds sont apparues avec des espèces de taches sombres. Il était allé partout, radiologue, chirurgien, médecin. Il n'y avait que les opérations chirurgicales comme solution pour lui et sans garantie, bien sûr. Et je ne parle même pas de l'invalidité et des cicatrices et bien sûr du coup. L'opération. Cet onguent va changer votre vie. Voici les ingrédients. Vous aurez besoin du jus d'aloe vera, du gras de porc. Donc vous extrayez le gras de votre porc, vous le congélez au préalable et puis ensuite vous le râpez. Et bien sûr, si vous n'avez pas, si vous pouvez l'avoir déjà tout fait, déjà bouilli, déjà extrait, c'est encore mieux. Vous prenez du savon de ménage liquide dans votre savon que vous utilisez pour la vaisselle, tout ça. Et si vous avez du savon bio, c'est encore préférable. Un oignon et de la crème d'étiol. Surtout si votre cas est très grave et que vous avez besoin de cette solution d'urgence. C'est en vente libre en pharmacie sans ordonnance sur internet. Donc vous pouvez vous en procurer. Une cuillère à soupe de chacun des composants. Alors pour la préparation, mettez le tout dans une petite casserole
et laissez à feu très 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 doux. Remuez lentement et surtout ne laissez pas la solution monter à ébullition. Au bout de 5 minutes, lorsque le mélange est bien devenu homogène, faites refroidir et mettez dans une bouteille hermétique. Vous pouvez appliquer directement ceci sur la jambe ou même sur les parties atteintes de varices. Vous enroulez avec un bandage ou même un chiffon ou un tissu propre. Bandez pour la nuit, vous dormez avec. Puis mettez à nouveau le pansement avec une nouvelle portion de pommade. Faites ceci jusqu'à ce que ce soit totalement soigné, que vos jambes soient propres, belles et guéries. Ça a un effet antiseptique local, anti-inflammatoire. L'outil a également un effet antiprurigineux et kératostatique. L'effet bactéricide du mélange concerne certains types de staphylocoques, de streptocoques, de champignons ressemblant à des levures pathogènes. L'utilisation de la pommade contribue aussi à l'élimination efficace du prurit, l'amélioration de l'élasticité de votre peau. Ceci va aussi aider à l'atténuation du processus de kératinisation de la peau. En outre, l'utilisation de la pommade permet d'éliminer les pellicules excessives, de renforcer le processus de régénération, du métabolisme de la peau. Cela a un effet analgésique anti-inflammatoire observé après plusieurs heures à partir du moment où vous appliquez le médicament, ce qui est pas mal pour ceux qui ont des douleurs. Après les premiers jours d'application, la crème élimine plusieurs symptômes désagréables de la varice. De plus, la crème va aussi éliminer les caillots sanguins, améliore la circulation sanguine, récupère les parois veineuses. Ceci est utilisé pour traiter aussi le psoriasis, comme on l'a dit plus haut, les furoncles purulents, l'eczéma, l'acné, les taches noires sur le visage, d'autres maladies de la peau telles que les mammites, les inflammations sous-cutanées, les maladies traumatiques et dégénératives des articulations, les pellicules, la seborrhée. Bref, il y en a une panoplie. Vous pouvez utiliser ceci pour tout ce qui est cutané. Donc voilà, vous savez tout ce qu'il vous reste à faire. Partagez pour que ça touche un maximum de personnes. N'hésitez pas à vous abonner ici. Il y a toujours des astuces tip top. Bisous.